multiple World Cup winners amongst the squad, Rumi Tui. Si on reste sur le dernier match, forcément il y a de la déception. On n'a pas marqué d'essai, mine de rien, c'est quand même un signe. Après, au vu de la progression, au vu du tournoi, je pense que c'est la première fois qu'on gagne les Australiennes. Les Canadiennes, on les a battues 3 fois. Donc voilà, ça montre quand même la progression qu'on a eue et sur toute la saison. Et c'est pas qu'un travail qui a été enclenché que là, c'est un travail qui a été enclenché il y a des années. Et ça commence à payer maintenant, donc c'est plutôt cool. On va en profiter. Toujours de la déception quand on perd, surtout. Voilà, en finale, on a envie de gagner, bien sûr, mais on a fait une très grosse performance sur cette Coupe du Monde avec un format spécial à 4 matchs. Donc, on a fait 3 matchs impressionnants où collectivement, on a tout donné. Et voilà, sur la finale, les Blacks ont fait un très gros match. Elles ont été meilleures que nous, tout simplement. Et voilà, on a essayé pourtant de s'accrocher et à chaque fois de rien lâcher. Mais ça n'a pas été suffisant et on reviendra plus fort la prochaine fois, prochaine finale, prochaine échéance. Dès la saison prochaine, donc voilà, on a envie encore de progresser et de gagner. Pour les avoir faites avant, voilà, là pour le coup, on rivalise et on a battu sur les 3 meilleures équipes, on en a battu 2, il nous reste encore une. Et ça va être notre objectif très clair pour la saison prochaine. Voilà, rester sur ce podium et continuer à gravir ces marches. La Nouvelle-Zélande a été très très belle, vraiment ça a été une très très belle équipe ce soir. Elles nous ont vraiment montré de bonnes choses, nous à notre défaut, beaucoup de fautes, certaines fautes nous ont mis à mal. Mais voilà, le plaisir y était, on a pris du plaisir et maintenant on profite. C'est un bien beau week-end qui concrétise je pense une belle saison sur laquelle il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès. Un week-end durant lequel il y a quand même 2 matchs d'affilée de très bonne qualité, notamment contre le Canada et contre l'Australie. Et puis cette finale où, d'après moi, on fait aussi plutôt un bon match. Simplement, on tombe sur un peu meilleur que nous dans tous les domaines. Un peu plus de maîtrise, un peu plus d'habitude, un peu plus de technique, un peu plus de vitesse, un petit peu plus de tout. Et à la sortie, ça fait la différence. Après, je crois qu'il n'y a pas de honte à perdre contre meilleur que soi. Et effectivement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est tout le positif du week-end et tout le positif de la saison, ce qui permet d'avancer. On est déçus. Bon, on est déjà fiers d'être arrivés jusqu'à ce niveau. Mais déçu, oui, parce que c'est des matchs de très haut niveau, ça se joue à des détails. Et là, aujourd'hui, on perd peut-être trop de ballons pour pouvoir rivaliser face à une telle équipe, quoi. C'est compliqué. Très déçu. Ce match, il fallait qu'on le tue bien avant, parce qu'ils jouent ils prennent 3 cartons jaunes. Donc voilà, ça s'est joué en notre faveur, mais on n'a pas réussi à tuer ce match. Et même lorsqu'ils étaient à même nombre que nous en deuxième mi-temps, on a vu qu'on les faisait déjouer, en défense on était bien et donc c'est vraiment très triste de perdre ce match. Ouais. On va chercher la 5e place à tout prix, on sait qu'on peut aller la chercher, on a le niveau, on a montré contre l'Australie qu'on pouvait tenir des matchs de haut niveau, là on l'a encore montré cet après-midi, ça passe de peu. Demain on va revenir avec beaucoup d'envie et envie de gagner 2 matchs encore.